Bienvenue à Saint-Gaudens, direction le stade. Un plaisir de rentrer à la maison et de faire profiter les jeunes d'un entraînement avec nous, le Toulouse Olympique. Je vous amène le soleil. Il y a plus soir, alors. Ça va, Francis? Donc du coup, Max, t'as fait de quelle année à quelle année? 2002 à 2019. 2005 à enseignant. Toutes mes classes, je les ai passées dans ce clubhouse à Saint-Gaudens. Ouais, quelques photos de seniors. On va me reconnaître avec une mèche rebelle, souvent ici. Hop. Là, à droite. Ça va? Ça va? Eh oui? Et de faire pour Maxime Stéphanie, comme tu le cites, local de l'étape, de pouvoir un jour jouer bien sûr au haut niveau. Il faudrait des anecdotes sur mon enfance. Crampon rouge tout le temps? Ouais. Très souvent. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir comme anecdote? Si. Régulièrement, quand Gilbert, donc son entraîneur, voulait le sortir parce qu'il avait assez de temps de jeu et qu'il fallait en laisser aux autres, alors c'était les larmes, la colère. Voilà. Non, je ne voulais pas laisser ma place. Et j'aimais jouer. Il fallait tout le temps de jeu. Attendez les gars, vous n'allez rien, vous allez tous les voir. Allez, tu es là. Il n'y a plus de passe. Il n'y a plus de passe.